Les piches, ils me veulent. Atlético. Inter qui propose un meilleur salaire quand même. Hein. Oh, Real de Madrid carrément, les gars, pour 300K. 26% de plus que votre demande. C'est-à-dire que moi, je demande 237 000. Eux, ils me proposent 300K, les gars. Mais bon, moi, je suis une légende du Barça. Hein. Je suis une légende du Barça, les gars. On va jamais aller au Real de Madrid. Change de club. Et tous les footix là qui viennent dans mon chat là, qui me disent change de club, change de club, change de club. Les gars, si j'ai arrêté la carrière de Palmeiras, c'est parce que c'était pas réaliste. On faisait une saison dans chaque club. C'est pas réaliste, les gars. Je viens d'arriver au Bayern. Je vais rester longtemps au Bayern. Tous ceux qui sont pas réalistes et qui veulent des carrières pas réalistes, c'est pas ici, les gars. Vous bougez. Tous ceux qui me disent recommence la finale, change de club, fais ci, fais ça. Et faites votre carrière de votre côté, wesh. Vous voulez bouser ma carrière ou quoi? Tu pourrais faire une teinture en fin de saison, s'il te plaît. En Coupe du Monde, pourquoi pas? Putain, les gars, je suis dégoûté. Le ballon d'or, wesh. Franchement, c'est un miracle si je le gagne. C'est peut-être pas fini, on sait jamais. Putain. Non, je crois que c'est fini, les gars, c'est mort. Les gens ici, des fois, ils pensent que 15 ans de carrière, c'est égal à 15 clubs. Non! Ah là 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 là, bon, les gars, nouvelle saison. Là, c'est quoi, là? Tournée américaine, on va pas la faire. Thomas Tuchel, qui me dit, nous sommes impressionnés par tes performances au Bayern de Munich. On te propose de prolonger ton contrat de 3 ans. Pense-y et fais-nous savoir ce que tu en penses, tu vois. Bonne saison, bonne pré-saison aussi. Également, monsieur Thomas Tuchel, qui me propose de prolonger directement mon contrat. Voilà, pendant 3 ans. Et de devenir le joueur emblématique du Bayern de Munich. Les gars, est-ce qu'on accepte directement de prolonger 3 ans ou pas? Je vous laisse voter. Est-ce qu'on continue les aventures avec Iceberg et Moussiala? T'aimes les pâtes au ketchup? Eh, reste dans le thème, les gars, wesh. Reste dans le thème, Yacine. On va te gifler ici, là. C'est qui le ballon d'or? Je sais pas encore, mon ref. Je sais pas, ça va arriver dans les mois qui vont suivre, là. Mais bon, ça va être compliqué, j'ai pas gagné, hein. J'ai pas gagné, les gars, Leipzig, wesh. Donc, c'est-à-dire, il y a moyen que Fatih gagne. Est-ce que tu pourras faire une carrière d'un Espagnol qui s'appelle Alex Moreno? Mais c'est déjà un joueur qui existe, mon ref, non? C'est pas un arrière-gauche? Mais Rice, il vient de signer, les gars. Rice vient de signer, Lewis, il vient de monter, Asberg, il est monté. Ça sent les bonnes choses qui arrivent. C'est une prédit, c'est une finale. Du coup, prédit, les gars, quoi. Prédit, but de Iceberg. Prédit, but de Iceberg, code x2, les gars. Allez-y, misez. Je le sens en pleine forme. Les gars, bientôt 199 200 abonnés sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés, les gars, ça fait plaisir. Bien joué, ça finit. Merci. C'est limpide, c'est tranchant, c'est ça. Allez, c'est parti. Tac, il le met dans le vent. Tac, 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 voilà. T'as, bizarrement, là, on arrive à jouer, là. Je te la donne direct. Ouais, tu me la rends. Pourquoi pas en vrai? Bien joué. Ouais, doucement aussi, wesh. Oh là là, ce que j'ai mis. Wesh! Et c'est agressif de zinzin, wesh! T'es parti à Iceberg. Aïe aïe aïe, dommage. Ah là 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 là, bordel. Caca! Oh là là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Après avoir gagné une Coupe du Monde, ce serait plus symbolique. Donc là, je me dis, c'est pas grave, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, la Coupe du Monde 2030. Fini. Merci, Asgard. Ice motherfucking bird. Tu marques. Du pied gauche. Oh là là, par contre, la célébration. Wow, wow, wow. Et ils veulent que ta clé. Et ici, tac. Redonne. Le Wunderbar qui accélère. Merci monsieur. Encore une passe décisive, les gars. Trois passes D. Wesh, lâche-moi, ça y est, frère, je t'ai dribblé. Je suis hors-jeu. Il m'a couvert là-bas. Accélération. On passe pour Iceberg. Bam! Ça fait 4 buts à 1, les gars. Qu'est-ce qu'il y a à un moment donné? Mais bon, on les a quand même tabassés. Mesdames et messieurs, monsieur Pep Guardiola, j'ai entendu parler de l'intérêt du Bayern de Munich pour toi la saison prochaine. Je respecte tes choix, mais j'espère que tu envisages sérieusement toutes les options avant de décider. Ah, trop tard, les gars, on a décidé. Les gars, ça veut dire que si vous aurez voté non, on aurait pu discuter avec monsieur Pep Guardiola. Malheureusement,
Enfin, malheureusement, moi je m'en bats les couilles, moi on a signé, hein, on a prolongé les gars, donc c'est trop tard. Carré quand t'es là, tout ça, etc. Ça bug pas. Quand tu te lèves, tu pars 10 secondes. Ah, Julien, ça bug là. Merci. C'est plus rapide. Et le pied gauche de Noah Van Der Berg, mesdames et messieurs, qui fait la différence sur le côté, ça fait 1-0. Waouh. Bien joué. Boulet. Y'a pas hors-jeu. Y'a pas hors-jeu, les gars, incroyable. Je pensais qu'il y avait hors-jeu. On prend du service là. C'est terminé. Mesdames et messieurs, on a Nike qui m'envoie un message. Il me propose de gagner la prochaine Coupe du Monde. Si je remporte la prochaine Coupe du Monde, les gars, je gagne une prime de 5 millions d'euros. Les gars, est-ce qu'on accepte cette nouvelle prime dans le contrat? En vrai, on n'a rien à perdre. La vue, je sors pas la balle, les gars. Oh là là! Le but d'Asberg. Hein. Oh le bâtard. Putain, ils sont chauds. Les gars, c'est mort. La réponse est non. J'avais tout fait. Un joueur dans le vent, tac, j'accélère. But. Merci. C'est pas fini, les gars. C'est pas fini, les gars, on y croit. 2 plus à 1. But de Ice mode fucking Berg. Berg. Putain, y'a pas une petite main là? Wesh. Les gars, ils ont blessé Iceberg. Je peux compter que sur moi-même. J'y vais tout seul. J'y vais tout seul. Wesh. Oh les gars, fin de saison pour Iceberg. Oh, oh la dinguerie. Les gars, on dirait pas un scénario de Olivier Tom. Genre, ça veut dire que là, nous, on va se qualifier sans lui et il va revenir pour la finale de la LDC. C'est le scénario. On dirait trop Mark Landers quand il revient que pour la finale. Écoutez, force à lui. Hein. Force à lui, mais le problème, c'est que regardez, Iceberg blessé, Garnacho qui se barre. Qui va jouer en pointe ?